suis Quelu, je suis artiste urbain. Je pratique l'art de rue depuis maintenant 2-3 ans. Je colle des affiches un petit peu partout à Roubaix, à Lille. Je fais aussi des travaux un peu plus élaborés sur bois ou sur toile. J'étais ravi ici de pouvoir travailler à la condition publique pour le projet Sentinelle. Alors l'idée du projet Sentinelle, on y a réfléchi pendant le confinement. Et en fait, je souhaitais mettre à l'honneur un peu les personnes qui ont travaillé pendant le confinement, un petit peu hors personnel médical. C'est vrai qu'on a applaudi à 20h tous les soirs chaleureusement et à juste titre le personnel médical, mais il y a aussi plein de petits travailleurs de l'ombre. Je pense à l'épicier du coin, quelqu'un qui fabrique des masques, quelqu'un qui organise une distribution alimentaire pour ceux qui en ont besoin. Il y a eu d'abord un appel à volontaires pour des gens du quartier qui acceptaient d'être d'abord pris en photo et ensuite peints. Ensuite, il y a eu un shooting photo avec le photographe Julien Pitenaume, puisque le troisième temps, ça a été à partir des photos de Julien, pouvoir les peindre sur des grands formats pour ensuite les accrocher dans la rue près de la condition publique. Au terme de cette année, moi je reste le propriétaire des œuvres, mais j'ai décidé de pouvoir les donner en fait. J'offrirai à chaque personne représentée son portrait géant. À partir du moment où c'est dans la rue, ça ne m'appartient plus, donc je ne souhaite pas les récupérer, mais je compte les offrir aux personnes.